Parfois, on fait des sacs de nœuds. Des sacs de nœuds avec quoi? Des sacs de nœuds avec ce qu'on souhaiterait. Des sacs de nœuds avec le moi-je. Moi, comme je suis important. Moi, j'ai découvert. Moi, je sais. Moi, je suis le meilleur. Ouais, tu peux découvrir. Tu peux être le meilleur. Ce qui peut juste éventuellement des fois être un petit peu fatigant, usant au long cours, c'est le moi. Parce que en fait, il y a une partie que l'on oublie quand on fonctionne comme ça. C'est qu'il n'y a pas de moi. Il n'y a que du nous. On peut découvrir parce qu'il y a une histoire. On peut aussi découvrir parce qu'il y a des choses qui s'échangent entre humains. Les fameux SPE, structurants potentiels d'évolution. Tout ce qui sous-tend le processus organique de la coévolution. Oui, pas les beaux termes de coévolution que même maintenant il m'arrive d'entendre chez des politiques, comme quoi. Mais réellement un processus organique qui est là. Et pour ça, effectivement, se rendre compte que chacun est à sa place. Et en plus, c'est drôlement plus tranquille. T'as plus rien à démontrer. T'as juste à vivre. À vivre pleinement. Et en plus, tu peux vivre pleinement avec les autres. Alors, pourquoi je t'emmène dans cette église? Ben parce que elle ramène sur ce côté-là. Je fuis pas mon excellence, mais à un moment donné, c'est pas non plus d'ailleurs mon excellence qui fait ce que je suis. Bref. Et alors, est-ce que je peux aller vers ma lumière et sortir effectivement de tout ce beau bâtiment que parfois je m'enferme? Mon moi, mon ego, qui est utile, hein? Mais quand il dit enfermant, bah il est juste enfermant. Ça te parle? Ça t'évoque quelque chose? Eh ben, à tes commentaires, prends le temps de t'imprégner de ce lieu. Et puis dis-moi, toi, comment tu vis ça? Et comment tu aimerais le vivre? Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que tout va bien pour toi? Ou est-ce qu'il y a des moments où c'est un peu lourd? Bref, une manière de monter, de monter, de monter, de s'entrecroiser, et se rendre compte que, en fait, au final, on se retrouve tous. Allez, tu peux aimer, partager, commenter. À très bientôt. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Bonne et belle journée!